Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Oh là là, oh, doucement. Mais attention, le sol est très glissant à cet endroit. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo comment s'appelle cette chose glissante sur laquelle il marche. De la glace. Oui, c'est ça, c'est de la glace. Et Pato est en train de patiner sur la glace. Si tu essayais de faire comme lui, Pocoyo. Magnifique, Dido, tu es très doué. Ces deux champions de patinage sont en train de nous faire une démonstration de leur talent. Admirez un peu ce style. Ça, ça s'appelle la portée. Et ça c'est encore plus compliqué. Ça s'appelle la figure de l'hélicoptère. Et quel superbe atterrissage. Nos deux patineurs font preuve d'une grâce exceptionnelle et d'un style bien à eux. Oh, la fin est fabuleuse. Nous venons d'assister à un numéro tout simplement extraordinaire. Et maintenant, il va falloir attendre pour connaître les notes des juges. Bébé araignée leur donne un 10. Bébé oiseau également. Et la petite chenille, un point seulement. Ah non, un 10, la note maximum pour nos deux champions, c'est formidable. Et voici notre prochaine concurrente, Ellie. C'est sûrement la danseuse la plus gracieuse que je connaisse. Elle est sportive, féminine et éléphantesque. Autrement dit, elle a toutes les qualités pour faire une championne. Et la voilà qui s'élance sur la glace. C'est magnifique. Oh, oh, dommage. Tu ne t'es pas fait mal, j'espère. Pocoyo et Pato vont l'aider à se remettre debout. C'est très gentil de leur part. Oh, oh, oh là! Oh, oh non! Oh tiens, bonjour Fred. Pardon, tu vas danser sur la glace avec un partenaire. Ah bon, qui ça? Une scie? Je me demande bien ce qu'il fait. C'est la baleine! D'habitude, on ne voit pas souvent une baleine participer à une compétition de patinage sur glace. C'est vraiment extraordinaire! Oh, regardez ce saut comme il est haut! Et maintenant, il va falloir qu'il la rattrape! Ça va être spectaculaire! Voyons un peu ce qu'en pensent les juges. Un 10 pour bébé araignée. Ah, bébé oiseau réfléchit encore à sa note. La pression sur les juges doit vraiment être difficile à supporter. Et toi, petite chenille? 10 pour la petite chenille. On attend toujours la note de bébé oiseau. Ça y est, il semble s'être décidé. Il donne à Fred et à la baleine une marguerite avec un chapeau qui conduit une voiture. Et nous retrouvons Ellie. Ce serait gentil de l'encourager un peu pour qu'elle mette la patte sur la glace. Soyez gentils, les enfants. Dites-lui de faire un deuxième essai. Allez, recommence. Tu peux y arriver. Oui, Ellie retourne. C'est très bien. Oh, c'est... Oh là, oh là, oh là. Incroyable. Oh non. Oh, 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 le pauvre Pato se retrouve encore une fois écrasé comme une crêpe. Mais il a réussi à se relever. Ce canard est vraiment très courageux. Seulement, Ellie n'a pas l'air de vouloir continuer à jouer. Peut-être qu'elle se débrouillerait un peu mieux si quelqu'un acceptait de l'aider. Un champion de patinage, par exemple. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pato et à Pocoyo qui pourraient aider Ellie. Pocoyo et Pato! Oui, c'est une excellente idée. Aidez-la! Se passe-t-il? Ah oui, apparemment les amis d'Ellie ont décidé de l'aider à patiner. C'est très bien. Tu commences à comprendre comment il faut faire, Ellie. Je suis fier de toi. Un grand bravo pour Pocoyo. Un grand bravo pour Pato. Mais où est passée Ellie?
là, regardez-moi ça. C'est le genre de numéro que l'on voit une fois dans sa vie, c'est sûr. En fait, Ellie avait juste besoin qu'on l'aide à s'habituer à la glace. Que c'est joli! Notre petite éléphante rose est aussi douée que ses amis. Alors allons voir ce qu'en pensent les juges. 3-10, la meilleure note. Et 1-10 aussi de la part de chacun des autres concurrents. Incroyable! Un grand bravo pour Ellie! C'est très important d'aider ses amis. Au revoir et à bientôt! Bonjour Pocoyo, bonjour Pato. Bonjour. Vous allez faire un pique-nique aujourd'hui. Ellie. Oh, je vois. C'est une excellente idée. Ellie adore les pique-niques. Oh, la pauvre. Ellie n'a pas la même tête que d'habitude. Vous ne trouvez pas? Eh oui, Ellie, tu as quelque chose de changé dans ton apparence. Tu n'avais pas remarqué. Soyez gentils, les enfants. Dites à Ellie ce qu'elle a de nouveau sur la figure. Des boutons. Allons, allons, calme-toi, ce n'est pas si grave, je t'assure.
tu couvres quelque chose. Ça arrive à tout le monde. N'aie pas peur. Pocoyo, Pato, arrêtez de fuir votre ami Ellie. Quand un éléphant a des boutons, ce n'est pas si grave. Ellie va vite guérir. Seulement, il va falloir qu'elle se repose quelques heures, tout simplement. Ah, j'ai l'impression que Pocoyo vient d'avoir une idée. Oh, mais oui, bien sûr. Tu vois, Ellie, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, fais sonner cette petite cloche. Ça préviendra Pocoyo et Pato qui viendront te demander ce que tu veux. Bon, c'est parfait. Vous deux, maintenant, vous devriez aller pique-niquer dehors. Oh, vous entendez? Je crois qu'Ellie a besoin de quelque chose. Oh, notre pauvre malade a soif. Oh, merci. C'est pile ce qu'il lui fallait. Et maintenant, vous pouvez retourner... pique-niquer! Oh, 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 j'entends la cloche à nouveau. Je me demande ce qu'elle veut cette fois. Oh, elle a très envie d'un grand verre de lait frais à la vanille. Avec de la glace au caramel et un petit parapluie en papier sur le dessus. Bon, d'accord. Et si j'ai bien entendu, Ellie aimerait qu'on lui apporte un arrosoir, une planche à roulettes, une radio, un téléphone et tout un tas d'autres choses. J'ai l'impression que tu te sens beaucoup mieux, je me trompe. Soyez gentils, les enfants. Dites à Ellie, comment je sais qu'elle n'est plus malade? Ses boutons ont disparu. Exactement. Ellie n'a plus un seul bouton sur la figure. Tu es guérie. Ah, ils sont fatigués, les pauvres. C'est normal, voyons. Ils ont passé la journée à courir dans tous les sens pour essayer de te faire plaisir. Oh, je me demande où va Ellie. Oh, comme c'est gentil. Pour les remercier, Ellie a tout organisé pour que Pato et Pocoyo aient le plus beau des pique-niques. Et comme elle n'a plus de boutons, Ellie va pouvoir goûter avec vous. Tu es content? Vive les pique-niques! Et un grand bravo pour Pocoyo! Au revoir et à très bientôt! Bye.
soyez les bienvenus aux Jeux Olympiques de Pocoyo. Oh, regardez, les sportifs s'échauffent. Pato, Pocoyo et Ellie. Allons-y. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce le départ imminent de la première course des Jeux Pocolympiques. Sans perdre une seconde, je vais vous présenter les coureurs. Voici le premier, c'est le jeune garçon en bleu, Pocoyo. À côté, vous avez un canard qui fonce comme l'éclair. Il s'appelle Pato. Et enfin, notre célèbre demoiselle rose, Ellie. Pardon, Ellie. Et maintenant, les coureurs vont se mettre à leur place sur la ligne de départ. C'est parfait, vous êtes tous en position. Alors, à vos marques, prêts, partez! Bon, alors ça c'est étonnant, les participants doivent courir en cercle, regardez-les. C'est la première fois que je vois une course comme celle-là. Qui va tenir le plus longtemps? Ellie déclare forfait. Il n'en reste plus que deux. Oh, attention! Dommage. Désolé, Pocoyo. Je tiens à vous féliciter tous les trois. C'était une très belle course. Bon, s'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous me donner le nom du vainqueur? En effet, bravo, Pato. C'est toi qui as gagné. Qu'y a-t-il, Pato? Ah oui, ton prix, bien sûr, oui. Eh bien, Oh, elle est très jolie, cette médaille d'or. Quelle épreuve allez-vous disputer maintenant? Qui a une idée? On va tous ranger, jouer dans boîte, jouer dans boîte. Oui, d'accord, c'est une excellente idée, Pocoyo. On va faire ça. Pour la prochaine épreuve, les concurrents devront ranger très vite. Exactement. On peut y aller. À vos marques. Prêt? Bravo, Ellie. T'inquiète pas, Pocoyo. On va bien trouver une épreuve où tu pourras être le meilleur. D'ailleurs, à ce propos, je sais exactement quelle épreuve vous devriez disputer. Vous allez adorer, croyez-moi. Vous allez faire un concours de rire. De rire? Oh! Oh! Voilà notre ami Octopus.
C'est vous qui allez juger cette épreuve, les enfants. À votre avis, qui a ri le plus fort et le plus longtemps? C'est Pocoyo. C'est Pocoyo qui a gagné. Tu vois, Pocoyo, c'est toi qui as gagné. Tu vois, Pocoyo, tu n'es pas obligé d'être le meilleur en tout pour être heureux. Et on ne doit pas bouder quand ce sont les autres qui gagnent. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Bonjour Pocoyo. Bonjour. Bonjour Pato. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une trottinette. Ah, et à qui appartient-elle cette jolie trottinette rose? À Ellie. Dans ce cas, je me demande ce qu'elle fait là. Ellie l'a peut-être oubliée. Qu'en pensez-vous les enfants? Vous croyez qu'il devrait la lui rapporter? Apportez-la à Ellie, bonne idée. Oh oh. Bravo, Pato! Je ne savais pas que tu étais un champion de trottinette. J'ai l'impression que Pato a très envie de nous montrer tout ce qu'il sait faire avec une trottinette. Admirez le champion. Yahoo! Bravo! Tu te débrouilles comme un chef, Pato. Je suis fier de toi. Magnifique! Quel talent! Oh, oh! Elle est très jolie, ta trottinette chenille, bébé oiseau. Pato pense que tu devrais plutôt prendre des photos de lui. Tu es trop petit pour faire de la trottinette. Oh là là, ça commence à devenir compliqué. Waouh! Regardez-moi ça! Oh, c'est affreux. J'en connais une qui va se mettre drôlement en colère. Enfin, Pato, c'est la trottinette de Ellie. Oui, il s'amuse trop pour s'en souvenir, apparemment. Oh non, il ne manquait plus que ça. Non, Pato, arrête! Tu as cassé la trottinette de Ellie. Ce n'est pas très malin.
Ellie, Ellie! Et maintenant, qu'allez-vous faire, hein? Tu crois vraiment qu'Ellie va préférer ta... enfin, ta sculpture à sa trottinette? Dites à Pocoyo et à Pato qui vient là. C'est Ellie! Ellie arrive! Pato? Mais c'est bien toi? Bonjour Ellie! Excuse-moi, mais ce n'est pas une bonne idée de monter sur la... Ellie, non! Oh, c'est malin. Tu comprends, Ellie. Ta trottinette, elle est... enfin, elle est... elle est cassée. Ils vont la réparer. Ne t'inquiète pas. Ils ont fait de leur mieux. Arrête de rire, tu vas les vexer. Oh, ça alors? Mais tu n'es pas fâché, ça ne te fait pas de la peine de savoir qu'ils ont cassé ta trottinette. Je ne comprends plus rien. Ah, d'accord. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ce que Ellie a dans les mains. Exactement, et je la trouve particulièrement jolie, celle-ci. Oh, tout finit bien. Nous nous sommes fait du souci pour rien. Un grand bravo pour Pocoyo. C'est important de toujours dire la vérité. Au revoir et à bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. J'ai l'impression qu'Ellie attend quelque chose. Je me demande bien ce que c'est. Oh, ça ressemble à un paquet. Oh, chouette. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est rose. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo à qui est envoyé ce paquet. À Ellie! C'est exact. Ce paquet a été envoyé à Ellie. Je me demande ce que c'est. Oh, vite, Ellie, ouvre-le. Oh, c'est une paire de chaussures. Elles sont très jolies et drôlement élégantes. Tu en as de la chance, dis donc, Ellie. Pocoyo, je crois qu'Ellie aimerait que tu l'aides à enfiler ses nouvelles chaussures. Tu as l'air chic avec. Elles sont magnifiques, ces chaussures. Ellie voudrait savoir si vous aimez ces nouvelles chaussures. Oui, on les adore. Elles sont très belles. Jouez! Ellie, tu as vraiment l'intention de jouer avec tes chaussures neuves? Qu'est-ce que tu dis, Ellie? Ah, tu as besoin de faire une pause. Ah!
Une autre pause déjà? C'est à cause de tes chaussures? Si vous voulez mon avis, ces chaussures neuves lui font mal aux pieds. Tu peux donner la balle à Pato, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien, c'est juste une petite tache. C'est l'heure d'aller se coucher, Ellie. Tu remettras tes chaussures demain matin, si tu veux. Oh, regardez ça. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'elle adore ses nouvelles chaussures. Oh, pauvre Ellie. Ça m'étonnerait que tu réussisses à marcher avec ses chaussures ce matin. Bravo! Jouer! Ah, Ellie dit qu'elle n'a pas envie de jouer à la balle aujourd'hui. Pato, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ellie, ce n'est vraiment pas gentil. Pato voulait seulement s'amuser. Pauvre Pato! Ellie vous demande de lui pardonner. Pato, Pato! Qu'en pensez-vous, les enfants? Vous croyez qu'Ellie devrait jouer avec ses amis? Oui, oui, jouer ensemble! Bien sûr! Moi aussi, je pense qu'Ellie devrait jouer avec ses amis. Alors, c'est fou ce que tu arrives à faire quand tu n'as pas tes chaussures neuves. Un grand bravo pour Ellie et un autre pour Pocoyo. C'est bien de jouer ensemble. Au revoir et à bientôt. Bonjour les amis. Bonjour. Tiens, voilà Ellie. Bonjour Ellie. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Des invitations. Comme c'est intéressant. Soyez gentils les enfants, dites à Pocoyo et à Pato à quoi Ellie veut les inviter. À prendre le thé. C'est ça, elle les invite à venir prendre le thé avec elle. Quel est le problème? Ah, vous n'aimez pas les goûters d'Ellie? Qu'est-ce que tu dis, Pato? Tu trouves qu'Ellie n'arrête pas de donner des ordres quand elle vous invite? Ellie commande tout le temps. Des ordres, des ordres, des ordres. Wow, tout. Non, papa.
Dernière chance, les garçons. Vous ne voulez vraiment pas aller goûter avec Ellie? Oh, heureusement, Ellie aura au moins un invité. C'est le principal. Oh, une bonne tasse de thé chaud. Je ne connais rien de meilleur. À part peut-être des biscuits qui sortent à peine du four avec de la confiture de fraises. Oh, délicieux. Ces biscuits sentent vraiment très bon. N'est-ce pas, bébé oiseau? Oh, s'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Pato d'où vient cette délicieuse odeur. Des biscuits faits par Ellie. Exactement. Ça sent très bon. Quoi? Tous les gâteaux sont... Oh, ce n'est pas très gentil. Tiens, tiens. Apparemment, Ellie a préparé d'autres biscuits. Ils viennent juste de sortir du four. Ah, si seulement vous aviez accepté son invitation, je suis sûr qu'elle vous en aurait donné quelques-uns. Coucou! Et sa poupée ont décidé que vous deviez mettre ces chapeaux rigolos avant de pouvoir goûter à ces délicieux biscuits. Ellie et sa poupée vous demandent de chanter une chanson à la gloire de ces biscuits. Ces biscuits sont les meilleurs. Il paraît que vous êtes censé maintenant danser pendant que vous chantez. Les biscuits sont les meilleurs. Oh, pauvre petit. C'est vrai qu'elle donne beaucoup d'ordres un peu idiots. Tu es peut-être allé un peu trop loin cette fois, Ellie. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo d'où vient ce drôle de petit bruit. Mange ces biscuits. Pocoyo, je peux savoir ce que Pato fait là-dedans? Feu! Oh, pauvre Pato. Écoute, Pocoyo, pourquoi ne vas-tu pas voir Ellie pour lui demander gentiment si tu ne peux pas avoir un biscuit? Elle partagera avec vous, j'en suis sûr. Biscuit. Ils ont l'air tristes, tu ne trouves pas? Tu penses que l'on ne doit pas donner d'ordre à ses amis, même pour s'amuser? Regardez ce que Ellie a fait rien que pour vous. Attendez! Vous croyez qu'Ellie va vous laisser manger tranquillement? Oui! Ellie va les laisser goûter sans rien leur demander. Quelle bonne nouvelle! C'est important de partager avec ses amis. Un grand bravo pour Ellie! Au revoir et à bientôt!
Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Je peux déjà vous dire que Pocoyo s'apprête à passer une très bonne journée puisqu'il a prévu de jouer avec Pato, son ami canard. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est une ombre. Oui, moi aussi j'ai l'impression que cette ombre te suit partout où tu vas. Je me demande ce qui peut bien projeter cette ombre. Vous le savez, vous, les enfants? Savez-vous ce qui projette cette ombre? Un nuage! C'est un nuage! Exact! C'est un petit nuage. Je serais curieux de savoir d'où il vient. Voilà Pato, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Eh oui, je suis d'accord, c'est beaucoup moins drôle quand ça t'arrive à toi. Oh, Pato n'a pas l'air d'aimer les farces du petit nuage. Notre petit nuage est en train de pleurer. Nuage pleure ? Oh, comme c'est étrange. C'est la première fois que je vois un nuage pleurer. Ça me fait tout drôle. Regardez-le. Tu lui as fait de la peine, Pocoyo. Maintenant, il est triste. Réfléchissons. Que peut-on faire pour le consoler, le sais-tu ? Ah, tu as une idée. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est ? Nuage. Nuage. Oh, j'ai compris. Tu veux discuter avec le petit nuage. C'est une excellente idée, Pocoyo. Seulement, je ne suis pas sûr que le nuage puisse t'entendre. Crier. Mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Si nous crions tous ensemble en même temps, le petit nuage nous entendra forcément. Nuage. Nuage. Oui, on a réussi. Oh, j'ai l'impression que notre nouvel ami t'aime beaucoup. Finalement, je me demande si... Oh, mais bien sûr, c'est ça. En fait, tout ce que voulait le petit nuage depuis le début, c'est que vous deveniez amis. Amis. Pocoyo et le petit nuage. Amis. Amis. Apparemment, le petit nuage aimerait emmener ses deux nouveaux amis en balade. Tu peux monter dessus, Pato, vas-y.
la Lula. Et j'aperçois Ellie aussi. Regarde Ellie, Pocoyo et Pato se sont fait un nouvel ami. Que je dis toujours. Il n'y a rien de tel pour embellir une journée que de se faire de nouveaux amis. Un grand bravo pour Pocoyo! À très bientôt! Au pays de Pocoyo, c'est une merveilleuse journée qui commence. Tenez, justement, le voilà. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Sais-tu ce que c'est, Pocoyo? S'il vous plaît, les enfants, dites-lui comment s'appelle cet objet. C'est un parapluie. Oui, Pocoyo, c'est un parapluie. Parapluie. Très bien. Et un parapluie, ça sert à... Ah, d'accord. Tu veux deviner tout seul? Aucun problème. Je suis fier de toi, Pocoyo. Très bien. Voyons un peu. Le soleil brille dans le ciel. Oh là là! Attention, le vent s'est levé. Oh, regardez, c'est Lula. Exact. Il peut s'ouvrir et se fermer. Bien observé. Oh là là! Attention! Tu t'envoles! Oh, c'est malin. Comment va-t-on réussir à te faire descendre de là maintenant? Oh, ce n'est pas très haut. Comme je le disais, c'est une belle journée ensoleillée, même s'il y a un peu de vent. Oh, ah oui, Pocoyo, tu devrais peut-être mieux regarder le ciel. Réfléchis, à quoi peut bien servir un parapluie? Tiens, j'entends des coin-coin. Pato,
On se cache. Oh oui, d'accord. Excellente idée. Qui va là? Patou! Ça alors? Ah, tu crois que le parapluie a bougé? En es-tu sûr? C'est rien, mon petit Pato. Tu peux sortir de là. Ellie! Bonjour, Ellie. Peut-être qu'Ellie sait à quoi sert un parapluie. Mais je me demande où est partie Ellie. Bravo, tu as raison, on peut aussi se servir d'un parapluie pour ça. Mais je crains qu'on en ait besoin pour autre chose et très bientôt. Pocoyo et ses amis vont bientôt être trempés jusqu'aux os, à moins que... Réfléchis, Pocoyo. Regarde autour de toi et cherche un objet qui pourrait te protéger de la pluie. S'il vous plaît, les enfants, dites-lui ce qui pourrait le protéger de la pluie. Les parapluies! Parapluies! Tu as tout compris, Pocoyo. Un parapluie, ça sert surtout à te protéger de la pluie. Un grand bravo pour Pocoyo. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est une merveilleuse journée au pays de Pocoyo et de ses amis. Bon, d'accord, il y a un peu de vent et de temps en temps, il se met à pleuvoir. Et alors, grâce à vous, Pocoyo sait maintenant ce qu'il faut faire pour rester au sec en attendant que l'orage passe. Au revoir et à très bientôt. Voilà Lula. Bonjour Lula. Oh, j'aimerais bien savoir ce qu'elle regarde. Elle m'a l'air bien excitée, vous ne trouvez pas? Oh, regardez, une bulle. C'est donc ça qu'elle attendait. Attention Lula, tu risques de... la faire éclater. Quel dommage. C'est très facile de faire éclater une bulle. Au-dessus de toi Lula, vite! Tu sais, si on voit autant de bulles, c'est qu'il y a quelqu'un pas trop loin d'ici qui s'amuse à les faire. Dites-moi les enfants, savez-vous qui fait toutes ces jolies petites bulles? C'est Pocoyo! Oh, mais oui! Regardez, c'est Pocoyo. Et il y a Ellie aussi. Bonjour Pocoyo, bonjour Ellie. Bonjour! Alors comme ça, c'est toi qui fais des bulles. Des bulles! Peux-tu nous montrer comment tu fais? Ah,
D'accord. Donc, tu plonges la baguette dans le liquide savonneux et ensuite, tu souffles et ça fait une bulle. C'est formidable. Des bulles! Ellie aimerait bien en faire elle aussi. Comme c'est joli, toutes ces bulles. Vous ne trouvez pas? Énorme celle-ci. Félicitations, Ellie. Oh, des bulles. Bravo, Pocoyo. Allons, les amis, calmez-vous. Vous allez tout casser. Oh, c'est malin. On s'amusait bien et vous avez tout gâché. La pauvre Lula, elle aimerait bien continuer à jouer avec les bulles. Dis, tu ne peux pas faire de bulles pour faire plaisir à Lula? Non, pas de bulles. Et toi, Ellie, s'il te plaît, sois gentille. Juste une toute petite bulle pour Lula. Lula est triste parce qu'elle ne peut plus jouer avec les bulles. C'est vraiment dommage. Vous préférez bouder dans votre coin? Ça ne sert à rien, Lula. Pocoyo et Ellie ne peuvent plus faire de bulles. Tu vois bien, ils sont fâchés. Bon, voyons un peu. Pocoyo ne peut pas faire de bulles car il lui manque le liquide savonneux. Et Ellie ne peut pas en faire non plus car elle n'a pas la baguette. S'il vous plaît, les enfants, vous voulez bien les aider? Dites-leur ce qu'ils doivent faire pour que Lula puisse jouer avec des bulles. Oh, il faut qu'ils partagent. Qu'ils partagent. Oh. Bravo, les enfants, c'est une excellente idée. Voilà, vous êtes raisonnable. Une bulle! Oui, c'est très bien, Pocoyo. Et bravo à toi aussi, Ellie. C'est mieux de partager. Et vous voyez que c'est plus agréable de jouer ensemble. Je suis fière de vous. Ah, retenez bien la leçon. C'est mieux de s'amuser ensemble plutôt que de jouer dans son coin. La preuve, demandez à Lula. Un grand bravo pour Pocoyo et aussi pour Ellie. Et bien sûr pour Lula. Au revoir et à très bientôt. Pocoyo est la ligue des super amis extraordinaires. Ah, le cosmos! Un endroit si mystérieux! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une météorite. Waouh! Impressionnant! Ah, je crois que nous avons de la visite. C'est un martien en colère.
Tes intentions sont pacifiques, n'est-ce pas, Martien? Oh non! Fred Fury a raison, nous avons besoin d'aide. Voilà nos courageux amis qui viennent à la rescousse. Super, Popoyo! La classe! Eh bien, regardez tous ces costumes de super-héros. Waouh, super Pato Magneto. Qu'est-ce qui... Il ne te plaît pas? Oh, super Pato tout vert. Ah bon? Ah bah, celui-là ne te plaît pas non plus. Super Pato Vintage? Ah non, non, je vois bien qu'il ne te plaît pas. Wonder Pato? Ah bah non, non, sûrement pas. Super Professeur Pato? D'accord, d'accord, pas celui-là. Oh, Super Shadow Pato? Oh, Pato, ce costume te va comme un gant. Il est tout simplement magnifique. Super Shadow Pato! Et voici maintenant Super Ellie et Super Poupée. Et qu'est-ce que c'est que cette chose minuscule par terre? Oh, c'est Super Nina et Super Roberto. Formidable, tout le monde est là. Aucun doute là-dessus, Pocoyo. Tu es bien super, Pocoyo. Ah bah oui, Pato a raison. Ça pourrait être aussi super Pato. Super Pocoyo. Dites donc les amis, vous n'allez pas vous battre. Super Pocoyo. N'oubliez pas que vous formez une super équipe. Oh, ça suffit maintenant. Ouf, sauvé. Ellie, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Ces deux-là ont perdu la tête. Hein? Super éléphant tout rose? Et vous quatre, arrêtez ça tout de suite! Nina, aide-moi, s'il te plaît. Je ne sais plus quoi faire.
bagarre générale. Les amis, Fred Fury a raison. Vous devez absolument arrêter de vous chamailler. Génial! Voilà le super vaisseau spatial. Fred Fury, appuie sur le bouton qui permet d'ouvrir les portes. Oh non, je crois bien qu'il s'est trompé. Les voilà partis! Super Pocoyo! Écoutez les amis, ce n'est plus le moment de se battre. Vous formez une équipe. Vous devez travailler main dans la main. Au fait, qui pilote le vaisseau? Super Poupée? Mais non! C'est parfait. Vous êtes prêts à affronter les... Ellie? Ah, Super Poupée, c'est mieux. On est prêt à passer à l'attaque maintenant. Méchant monstre! Oh là là! Il est vraiment gigantesque, ce robot! Super Pocoyo! J'ai l'impression que le méchant robot est en train de gagner. Ça alors? Quelle drôle d'ouverture! Pato! Là! Huh?
Oh non, cette ouverture est bien trop petite pour vous. Bien joué! Maintenant, vous allez pouvoir vous faufiler à l'intérieur. C'est notre chance de remporter la bataille. D'accord, ça doit être l'ordinateur principal. Et ça, ça m'a tout l'air d'être une espèce de manette. Oh, mais bien sûr! Roberto a raison, la manette est en bas. C'est pour ça que le robot est méchant. Mais si on la pousse vers le haut, il va devenir gentil tout plein. Génial! Vous avez réussi! Voilà, c'est parfait. Formidable. Au revoir, petit martien. Bravo, les amis. Vous avez été super courageux. Vous êtes une super équipe. Attendez. Vous êtes vraiment... Vous êtes un groupe de... Ah ben non, c'est pas ça non plus. Vous êtes des super amis. Non, ça y est. Ah oui, oui, je sais. Vous êtes la ligue des super amis extraordinaires.